Le premier couplet est sur notre cher producteur, notre maître Yoda à nous. Il est le producteur de Jack White, de Chris Stapleton, de Dodo Car de Landé, et aussi de la fantastique et extrêmement talentueuse Karina Franzen, que vous avez vu en première partie. S'il vous plaît, pour Karina! Le deuxième couplet est un couplet sur Iggy Pop. Ou plus exactement sur la bite de Iggy Pop. Donc du coup, Vince nous a dit, envoyez la chanson à Iggy, on va voir sa réaction. Donc on connaît un peu son manager, on l'a envoyé. Et le lendemain, Iggy a beaucoup aimé. Il a dit, c'est super, j'adore ce qu'on dit sur ma bite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On lui a dit, bah, je sais pas, envoie ce que tu veux. Donc il nous a envoyé une petite insulte dont il a le secret. Et il nous a dit, vous avez un featuring gratuit de Iggy Pop. Donc du coup, on l'a collé et du coup, on a Iggy Pop sur le disque. Please give me love for Iggy Pop! Ce que le rock'n'roll aurait dû rester. On fait sérieux, mais on se prend pas au sérieux. I was driving my caddy down Route 66, joking with we just round the bend. I think I stopped by to see my old friend. It's a real music guy. That's what he does, that's what he does best. He listens to your music and tell you who the fuck you are.
dans mon cœur de rugby là. Vous êtes prêts? Allez, je vous montre.